Pour ce dimanche, deuxième dimanche de l'Avent, je lis la leçon d'abord dans l'Ancien Testament, au livre du prophète Ésaïe, au 11e chapitre, à partir du premier verset. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Ici se termine la lecture de la leçon et je prends maintenant la lecture de l'Épître au 15e chapitre de la lettre de Paul, apôtre aux Romains. Et c'est sur ce texte que je prêcherai tout à l'heure plus précisément. Donc chapitre 15, les versets 1 à 13. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi ». Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que, tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde selon qu'il est écrit « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore « Louez le Seigneur, vous, toutes les nations, célébrez-le, vous, tous les peuples. » Ésaïe dit aussi, « Il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Ici se termine la lecture de l'Épître, et je lis l'Évangile maintenant, dans l'Évangile selon Matthieu, au 3e chapitre, à partir du 1er verset. « En ces jours, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. »
Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers ». Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père !» Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau, mais pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne se consume point. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Nous chantons maintenant le cantique numéro 184, les strophes 1 à 4. Prions. Seigneur Dieu Saint-Esprit, c'est toi qui nous as conduits ici, en ce temple de l'oratoire, afin qu'ensemble nous entendions, nous écoutions, nous recevions, nous vivions d'une parole, ta parole. Que cette parole prenne racine dans nos cœurs et y croisse pour la vie éternelle.
J'ai lu à l'instant au 15e chapitre de l'épître de Paul aux Romains. Je voudrais pour commencer vous rappeler ce verset, le verset 4. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Le temps liturgique de l'Avent, dans lequel nous sommes entrés dimanche dernier, est un temps de cheminement. Nous faisons route. Vers quoi donc faisons-nous route? Vers qui donc nous sommes-nous mis en route? Vers une étable. Et dans cette étable, vers un enfant couché dans une crèche. Il y a, vous le savez, diverses manières de faire route. Plusieurs moyens de transport peuvent être employés, de la limousine à la bicyclette et même, pourquoi pas, l'aéroplane ou l'hydroglisseur. En fait, tout dépend de la route que l'on veut suivre. Tout dépend de la voie qui s'ouvre devant nous. Oui, nous avons ce matin, dans l'Évangile, entendu Jean le Baptiste nous mettre en garde contre les chemins tortueux, escarpés, dangereux, et qui doivent nécessairement être aplanis pour que le trajet soit possible. Le prophète Ésaïe, quant à lui, nous a prévenu qu'au bout de la route, nous découvrirons des choses inattendues. Le loup et l'agneau giteront ensemble et la panthère et le chevreau feront couche commune. Je sais, tout cela, ce sont des images. Mais dites-moi, l'image est-elle nécessairement éloignée de la réalité? Précisément, si j'ai voulu ce matin lire avec vous ces trois textes dans notre Bible, ces trois textes-là, peut-être est-ce parce que dans l'Église dont je suis pasteur, l'Église évangélique luthérienne de France, ce sont les textes du lectionnaire pour le deuxième dimanche de l'Avent, et que je trouve personnellement que c'est une bonne discipline de s'astreindre à quelquefois prêcher des textes qu'on n'aurait pas soi-même forcément eu l'idée de choisir. Mais peut-être aussi, et même certainement, est-ce parce que je pense qu'ils ont, ces trois textes-là, quelque chose de singulier à nous dire aujourd'hui, et tout particulièrement l'épître que j'ai lu, et plus particulièrement encore ce verset que j'ai relu à l'instant. Voyez-vous, nous nous sommes, c'est vrai, mis en route vers Noël, notre temps de l'Avent. Mais il y a une autre route que nous suivons ensemble. Ah. Alors, je vais jouer au professeur et être obligé de faire un peu de grec. La route, suivie en commun, un grec, littéralement, l'appellerait un synode. Le synode, en effet, suivant son étymologie, c'est le chemin emprunté de conserve. Or, depuis 2007, et le synode de Sochaux-Montbéliard, où se sont retrouvés ensemble l'Église réformée de France et l'Église évangélique luthérienne de France, votre Église et mon Église, ont décidé d'aplanir ce qui est montueux afin de tâcher de trouver une encourageante unité afin que notre commun témoignage dans le monde soit plus audible, mieux compris, davantage efficace, que l'Évangile soit plus fort prêché. Proclamé. Il est probable que d'aucuns parmi vous, je les entends presque, sont en train de se dire que j'ai une originale et peut-être malhonnête propension à solliciter les textes de l'Écriture parlant du synode après avoir lu Paul. Et si c'était eux qui se méprenaient? Car, précisément, ce à quoi je veux en venir, c'est à montrer que le moyen que nous devons emprunter pour faire route, et route ensemble, c'est l'Écriture. Ou plus précisément, que ce n'est pas l'Écriture en elle-même, mais la parole que nous entendons, la parole qui nous touche, la parole qui nous stimule, nous console, nous met en mouvement, cette parole qui retentit en nous
lorsque nous nous appliquons à lire, et pourquoi pas à lire ensemble, les écrits des prophètes et des apôtres. Auparavant, il me paraît toutefois devoir faire un sort, un lieu commun, à mon gré en tout cas, trop souvent répété pour qu'il soit bien exact, et je suis sûr que vous-même l'avez souvent entendu. C'est cette affirmation selon laquelle le christianisme serait une religion du livre. Vous verrez en fin de compte, en tout cas je le souhaite, que ce faisant, je ne m'écarterai guère de la préparation de Noël, qui est aussi notre temps de l'Avent. Vous vous souvenez en effet que l'on a voulu trouver, et que l'on continue de trouver, comme point de convergence aux trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, ce que l'on voudrait auprès de nous faire passer pour une vérité intangible, à savoir que toutes trois reposeraient sur un livre, la Torah, la Bible, le Coran, un livre inspiré, un livre unique, dans les pages duquel les lecteurs trouveraient toute loi bonne à observer, tout précepte capable de les aider à vivre dans la société des hommes, la réponse, en bref, à toute question que ceci se poserait. C'est ainsi, par exemple, que l'un des laboratoires du CNRS, qui aujourd'hui est appelé Laboratoire d'études des monothéismes, était, il n'y a pas longtemps encore, désigné comme le Centre d'études des religions du livre. Un changement de nom dû à quelque obligation administrative qui, en l'occurrence, me semble particulièrement bienvenue. Était-ce l'œuvre du Saint-Esprit ? N'oserais le dire. En tous les cas, si je m'en tiens au seul christianisme, le seul que je connaisse vraiment, affirmer qu'il est une religion du livre me paraît en effet singulièrement inapproprié. En premier lieu, parce que nous ne nous référons pas à un seul livre, mais à une collection de livres, j'allais dire à une bibliothèque. Notre Ancien Testament en compte 39 et le Nouveau 27. Et je fais ici semblant d'ignorer les deutérocanoniques et les apocryphes, qui pourtant ne sont ni sans intérêt ni sans influence. Vous savez aussi bien que moi que notre mot « Bible », « Biblia », est un pluriel et doit être traduit « les livres ». Alors, pourquoi autant de livres ? Pourquoi des livres et pas un livre ? Ne serait-ce pas parce qu'il convient d'écouter plusieurs témoignages pour tenter de mieux saisir la vérité ? Saint Augustin disait les choses remarquablement. Il nous prévenait que nous ne saurions jamais saisir chaque fois qu'un aspect, de la vérité, laquelle, dans son ensemble, toujours nous échappera. Je cite Saint Augustin. « Dieu, écrit-il, c'est dans les Confessions, Dieu, un par excellence, accommoda les textes sacrés aux idées de plus d'un, ici Augustin a en vue les lecteurs et les commentateurs de la Bible, accommoda les textes sacrés aux idées de plus d'un, appelé à y voir le vrai en ses nuances. Ainsi, quand bien même, ce n'est plus Augustin, c'est moi, ainsi quand bien même la vérité serait-elle unique, opposé aux erreurs plurielles, nul pourtant ne serait en mesure de rabrouer ces contradicteurs, car lui comme eux, de la vérité, ne voit qu'une nuance. Avant Augustin, Irénée de Lyon écrivait « Il y a quatre évangiles et non un seul, parce qu'il y a aussi quatre vents des cieux, quatre points cardinaux. Et que la bonne nouvelle doit parvenir jusqu'aux bornes du monde, c'est-à-dire pouvoir être comprise par tous, manifestée aux hommes, aux femmes, dans leur diversité, étant entendu cependant que le Verbe, artisan de l'univers, je cite maintenant saint Irénée, nous a donné un évangile à quadruple forme, encore que maintenu par un unique esprit. » Ce qui revient à dire que la pluralité est une exigence, pour autant qu'elle ne signifie pas divergence, contradiction
ou plutôt incompatibilité. Ce qui revient aussi à dire que notre Bible, l'Écriture qui est des Écritures, n'est pas le répertoire d'idées trop élémentaires pour avoir des rivales. Ce que je vise en avançant cela sont ceux qui se plaisent à imaginer la Bible à la manière, vous savez, d'un manuel du code de la route qui, à l'aide de sens interdits et de sens obligatoires, indiquerait l'unique façon de manœuvrer en telle ou telle circonstance. Pour eux, je caricature à peine, quoique, un verset sorti de son contexte, isolé, trois mots placés bout à bout en dehors de toute référence à ce qui les a motivés ou au but qui leur a été par leur auteur primitivement assigné, sont regardés comme critères de vérité et mesures pour tout jauger. Nul besoin pour moi d'insister. Vous en connaissez autant que moi, qui vous êtes en pâture, un verset, comme si c'était là un argument suffisant et définitif, un verset, que seuls ont retenu, et voilà, tout serait dit. Ou d'autres encore, pour lesquels tout texte de la Bible s'applique immédiatement à leur vie de l'instant présent et doit coller à tout prix avec ce qu'ils sont en train de faire, de subir ou d'attendre. Mais chers amis, dites-moi, est-ce réellement cela, pour en revenir à notre épître, ce que Paul recommandait aux Romains dans ces pages de la lettre qu'il leur adressait, où il leur enjoint d'être tolérants, et plutôt que de juger autrui, d'estimer si lui et eux, c'est-à-dire toi et moi aujourd'hui, oui, nous avons la même espérance. Dites-moi encore, est-ce réellement à cela un livre qui ressemble davantage aux articles d'une loi ou aux notices d'un dictionnaire qu'à une bonne nouvelle, que se résout ce qui précisément est promis aux Romains, ainsi que Paul leur a écrit, et à nous aussi, quand ce qui est promis, c'est une grâce? La grâce, en l'occurrence d'un Seigneur qui vient à notre rencontre, tiens, c'est Noël, et qui marche à notre pas, qui fait route avec nous, et nous parle le Seigneur. Parle tout bas un murmure, ou très fort un cri. Parle, nous parle, murmure, cri, car... Et c'est là où je veux en venir. Autant je pense pouvoir affirmer que le christianisme n'est pas une religion du livre, autant je dois préciser que les disciples du Seigneur Jésus ont foi en une parole. Une parole qui les réveille, une parole qui les place en ordre de marche, une parole qui les met en route, une parole qui les réprimande, pourquoi pas. Une parole, cependant, qui les console. Pas un livre, oh non, pas un livre dont sur les pages l'encre déjà serait sèche, mais une parole qui ne cesse de retentir. Pas un livre, oh non, pas un livre qu'on pourrait refermer, sceller, enfermer au fond d'un tiroir ou oublier sur les étagères d'une bibliothèque, oublier au milieu d'une pile d'ouvrages, vous savez, tous bientôt poussiéreux, mais une parole qui ne cesse pas de se faire entendre. Nous aurions beau nous boucher les oreilles avec toutes les boules quièces du monde, nous l'entendrions encore, puisque c'est à notre cœur surtout qu'elle se fait entendre, cette parole. J'en conviens, elle ne se fait pas entendre n'importe comment, cette parole. Il ne s'agit pas en effet, comme je l'ai indiqué chemin faisant, de trois petits mots que nous estimerions décisifs, écrits là, vous savez, en haut de la page. Non. Il est question plutôt d'une parole qui est prononcée, qui vient au moment utile. Lorsque nous sommes prêts à l'entendre, et si elle n'est pas écoutée, comprise, saisie sur l'instant, à nouveau, elle se fait entendre. C'est une parole obstinée et patiente, que voulez-vous? Car c'est, je crois, petit à petit que Dieu se révèle à nous.
se révèle pour nous, nous dit qui il est et qu'il nous persuade de sa présence agissante. Certains ici parmi nous ce matin, en ce temple de l'oratoire, le connaissent, le Seigneur, depuis leur tendre enfance. Ils sont allés à l'école du dimanche, puis au catéchisme dans leur jeunesse. Depuis, ils ont continué de participer au culte et de se nourrir des excellentes prédications prononcées par les pasteurs de cette paroisse. Mais sans mentir, qu'ils nous disent cela, si dans leur vie, quoique c'est exact, ayant auparavant entendu parler de Dieu, ils n'ont pas quelque peu, parfois, relâché leur attention. Et voici que soudain, il y a eu tel événement, tel incident, tel accident qui a fait non plus qu'ils ont entendu parler de Dieu, mais qu'ils ont entendu Dieu parler, Dieu leur parler. Et puis plusieurs aussi, parmi nous, c'est possible, qui n'ont pas reçu d'éducation religieuse dans leur jeunesse, un jour, ont fait cette découverte, pour eux, inopinée, vraiment inattendue, quelquefois contestée d'ailleurs, et combattue, de quelqu'un qui se tient à leur côté. Peut-être ont-ils mis un peu de temps à s'apercevoir de cette présence, de ce compagnonnage de Dieu avec eux. Mais cela est, je dirais, naturel à Dieu. C'est que je suis persuadé, voyez-vous, que le Seigneur est un excellent pédagogue. Il ne nous impose à rien, pas même sa présence. Il nous propose. Il n'exige pas en trépignant. Il prend le temps de nous faire reconnaître où est notre joie. Où se trouve notre paix? En quoi consiste notre liberté? C'est celui qu'on appelle le Becht, le Baal Shem Tov, un pieux rabbin du XVIIIe siècle, qui enseignait à ses élèves que, je cite, « c'est le rôle du père d'apprendre à marcher à son fils. Pour cela, il avance ou recule de quelques pas, quitte à ce que l'enfant trébuche et tombe. » Ainsi fait Dieu avec nous. Or, cette pédagogie de Dieu, c'est ce qu'en termes bibliques on appelle la révélation, par quoi Dieu avance, recule, se découvre, de telle sorte que nous sachions faire l'expérience de notre liberté, marcher seul, parce que la grâce, toujours, est libre. Il lève Dieu, c'est-à-dire le coin du voile, révèle. Le Seigneur révèle. Se révèle, il révèle quelque chose sur notre vie et sur lui. Il nous montre qui il est et qui nous sommes, ce qu'avec lui nous pouvons devenir, ce qu'il veut qu'avec lui nous devenions. Alors, le moment est venu pour moi dans cette prédication d'avoir peut-être un peu plus les pieds sur terre. Alors, j'ai précédemment dit, non pas une religion du livre, un livre trop facilement refermé, le christianisme. Non pas un livre, mais une foi. Foi en une parole vivante, une parole vivifiante, en laquelle nous plaçons notre confiance et notre espérance. Soit. Mais encore faut-il qu'elle ait un support, cette parole, un support qui lui permette de se faire entendre. J'apprécie assez, alors quand je dis assez, ça veut dire beaucoup, André Gide. Aussi vais-je le citer. L'esprit, écrivait-il, pour témoigner, ne peut point se passer de la matière. Et il continuait, de là, le mystère de l'incarnation. De son origine protestante, le poète donc avait retenu cette dimension que dans nos églises de la Réforme, nous accordons volontiers à l'incarnation. Confesser que Dieu s'est fait homme, confesser que Dieu s'est fait homme, et singulièrement dans cette période de l'année, attendre Noël, pour nous autres chrétiens, pour nous autres chrétiens évangéliques, je veux dire qu'ils se fondent sur l'évangile de Jésus-Christ, nous devons revendiquer aussi ce qualificatif. Ce n'est pas affirmer péremptoirement quelque dogme serait sur l'union ou la conjonction en Jésus des deux natures divines et humaines, quoique j'aie le plus profond respect pour la définition de Chalcédoine, et ce n'est pas non plus, je pense, nous perdre en certaines rêveries mystico-subtiles. Dire, et beaucoup mieux confesser,
Quand Jésus de Nazareth, né à Bethléem de Juda, Dieu s'est fait homme, c'est comprendre qu'il est devenu notre frère, qu'il a partagé avec nous tout ce qui fait la richesse, autant que la difficulté d'ailleurs, de notre journalière existence, et qu'il nous a donné, lui, de partager, nous, mais avec lui, jusque sur la croix, son obéissance qui a vaincu notre désobéissance. Notre désobéissance, notre péché. Nous sommes hommes et femmes de chair et de sang, matière. Et l'Esprit de Dieu pourtant passe par là pour témoigner de la proximité du Seigneur. Le Seigneur qui s'est fait proche, s'est approché, j'oserais presque dire, est devenu notre prochain. L'Esprit, j'entends le Saint-Esprit, a utilisé le mode de la création et le monde donc de notre création pour nous conduire jusqu'à cette autre création où nous serons tous renouvelés. Je dis serons, je peux dire aussi, sommes déjà renouvelés. C'est pour cela qu'il me plaît de confesser que Jésus est né du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. L'Esprit ainsi, lorsqu'il agit, ne peut pas se passer du monde de la création. Alors, je ne puis insister aujourd'hui sur cet aspect des choses, mais certainement serait-il important d'envisager avec sérieux notre responsabilité de chrétien à l'égard de ce monde où nous vivons. Sans oublier que le monde, ce n'est pas que des arbres, des prairies avec des vaches qui y broutent, mais que c'est aussi une société humaine où tous nous sommes nécessairement solidaires. Et puisque je viens d'employer le mot responsabilité, responsables, tous responsables les uns des autres. Mais j'en reviens, j'allais dire à mes moutons, à ce que j'énonçais avant cette digression, que l'Esprit se sert du monde de la création. Et oui, même lorsqu'il parle, il se sert alors d'instruments concrets. Et c'est l'Écriture, et même les Écritures, celles que nous qualifions de saintes. Toutefois, pas une écriture enfermée dans un livre, mais une écriture qui nous appelle, ouverte, à la patience, dans cette perspective que j'ai dégagée il y a un instant. Vous vous souvenez? Perspective d'une révélation, pour nous, chaque jour continue. Une écriture qui ne rapporte pas tant des événements qui appartiendraient au passé, qu'elle nous ouvre sur l'espérance d'une restauration en nous, oui, notre espérance, espérance d'un renouveau de notre qualité d'enfant de Dieu. C'est très exactement ce qu'enseignait, ce qu'expliquait l'apôtre Paul aux Romains, et j'en reviens ainsi à notre épître que je n'ai pas oublié, en particulier à ce verset. « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Vous n'avez, au demeurant, pas manqué de relever que notre épître, qui commençait en évoquant les Écritures, a poursuivi en reprenant la citation du prophète Ésaïe, annonçant que germerait du tronc du vieil Isaïe un bourgeon, le Messie d'Israël, qui bientôt, dans le royaume de sa gloire, rassemblera toutes les nations de la terre. Alors il me faut ici revenir, pour finir, à ce que je notais en commençant, ou presque, à savoir que nos églises réformées et luthériennes ont décidé, en synode, de faire plus activement route ensemble désormais. Il m'apparaît que cela est possible. Non pas seulement possible, souhaitable. Non pas seulement possible ou souhaitable, conforme. Conforme à ce qui est le fondement de notre commune espérance, et par conséquent, fondement de notre prédication, et que ce qui est anormal, c'est que nous ne l'ayons pas fait plus tôt. Je m'explique. Je suis luthérien, vous êtes pour la plupart réformés. Je ne suis pas réformé, et vous n'êtes pas luthérien. Les uns et les autres, nous appréhendons la vérité de l'Évangile selon telle ou telle nuance. Mais nous avons quelque chose qui nous rend semblables.
nous faisons nôtres les grandes affirmations de la réforme. Lorsque nos réformateurs et nos docteurs proclamaient la foi seule pour raison du salut et la grâce seule comme moyen du salut, nous disons avec eux, réformés et luthériens, oui, oui, c'est cela que nous croyons. Et lorsqu'ils disaient l'écriture seule comme norme à la mesure de laquelle estimer notre enseignement, avec eux, réformés et luthériens, nous disons oui, oui, oui à cette parole entendue lorsqu'elle lut l'écriture, oui à cette parole qui dépasse tout livre qui la voudrait contenir, cette parole qui nous assure qu'il vient, le Christ, seul Christ, le Christ Jésus de Bethléem, et Jésus de la croix, et Jésus du tombeau ouvert, et Jésus aujourd'hui et toujours notre frère. Oui, cela nous le disons, réformés luthériens. Oui. 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 Ainsi soit-il.